Salut les amis, petite impro, petit partage avec vous depuis le lac d'Annecy. Waouh! Toujours aussi beau ce lac, magnifique, en plus il fait super beau. C'est un moment magique, par contre il y a plein de moucherons. Et du coup en fait je voulais partager un truc, je voulais partager en fait une expérience qui va revenir à des choses que je vous ai déjà dit en fait, mais c'est important aussi que je vous donne mon expérience perso. Parce que j'aime bien ça et ça peut vous donner des pistes pour améliorer des choses ou autre. En fait, j'ai vécu un peu ici à Annecy et j'ai un regret les amis, j'ai un regret. Mon regret, je vais vous le dire, c'est que quand j'ai vécu ici, c'est un endroit vraiment qui envoie de la super bonne vibe en fait. Je sais pas si tu connais cet endroit ou si tu es déjà venu, je sais qu'il y a des abonnés de Savoie, de Haute-Savoie. Donc certains d'entre vous certainement qui connaissent ou peut-être même qui vivent ici. Mais ça envoie vraiment du lourd cet endroit, la montagne et tout. Et en fait quand j'ai vécu là, bah, tu sais quoi, j'en ai pas profité. Et ça je regrette énormément. Et tu sais pourquoi j'en ai pas profité, je vais te le dire. C'est très simple, Annecy j'y suis attaché déjà parce que pour différentes raisons. Et la première raison, enfin une des raisons plutôt, c'est pas la première, une des raisons c'est que c'est ici que j'ai bossé comme ingénieur. Et c'est là que j'ai vraiment exercé ce métier et eu mon premier contrat etc. Donc voilà, j'ai un petit passif avec. Et puis, je suis assez attaché à cette ville. Mais par contre, mon regret, c'est quoi? C'est que j'ai pas profité de ce lieu. Pourquoi? Eh bien, la raison est très simple, je vais te la dire. C'est que quand j'étais étudiant et que j'avais ton âge, j'ai repoussé le moment où j'allais passer le permis. Ok? C'est un truc débile, hein, vraiment débile. Parce que c'était possible physiquement de le faire. Je veux dire, matériellement, plutôt, c'était possible de le faire. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai repoussé le truc. J'ai remis au lendemain et puis remis au surlendemain et remis encore au surlendemain, etc. Tu sais, le truc que tu feras plus tard. Et du coup, quand je suis arrivé ici dans la zone, bah, j'avais pas de moyen de locomotion en fait. Parce que j'étais piéton ou que je pouvais que faire du vélo. Ce qui était déjà pas mal. Mais tu as plein d'endroits ici pour les visiter. C'est quand même mieux d'avoir la bagnole, tu vois, pour monter et tout ça. Et puis il y avait aussi le fait que j'étais un peu plus feignasse, moins de motive à bouger, tout ça. Tout ce que je raconte aujourd'hui, je l'ai appris hein, sur les années. J'étais pas avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas quand j'avais ton âge. Et c'est un truc que je regrette parce que du coup, si j'avais eu cet état d'esprit, premièrement, j'aurais pas repoussé mon permis en me disant oh non, je vais pas faire les études et faire mon permis en même temps. Tu vois, ça me faisait un peu. Je me disais non, je vais pas faire les choses de front, ça fait beaucoup et tout. Bah en fait, si, j'aurais dû faire les choses de front parce que du coup, bah, ça m'a empêché de visiter cette super belle région. Et en fait voilà, j'y reviens assez fréquemment quand même parce que je kiffe cet endroit. Et et du coup chaque fois que j'y reviens, bah je me dis que je regrette en fait et que c'est dommage. Bon, après les regrets c'est nourrissant aussi, il faut pas se nourrir de façon négative. Ça permet de mettre en place des choses, d'améliorer en fait, de s'améliorer et de mettre en place des schémas où ça va t'amener vers du mieux plutôt que du moins bien. Du coup je voulais partager cette expérience pour te dire que premièrement c'est chiant de regretter, mais que si tu arrives dans des situations où tu regrettes parce que tu t'es pas donné les moyens, et moi en fait je m'étais pas donné les moyens de passer mon permis suffisamment tôt, tu vois, c'était ça le truc, se donner les moyens, je m'étais pas donné les moyens et du coup bah ça m'a mis dans cette situation où aujourd'hui je me dis ah là là, quand je vivais là, dire que j'en ai pas profité à fond, et ben c'est assez décevant. Donc voilà, c'était pour te partager ce petit truc et te dire que le must, c'est que tu ne te retrouves pas dans cette situation. Mais si jamais tu te retrouves dans une situation où tu regrettes, essaye d'en faire quelque chose de positif en te disant du coup, je vais me mettre en mode fois 1000 pour le fait de se donner les moyens et de se trouver la motivation, le boost, etc. pour se bouger et faire en sorte bah, de limiter les regrets à l'avenir. Voilà les amis, c'était une petite vidéo d'Annecy de rien du tout. Et puis c'était aussi l'occasion de faire profiter de ce truc. J'ai le soleil en plein visage et c'est trop trop beau. Allez, ciao les amis.